Alors, cette fois-ci, bon, quand vous voyez qu'on utilise un mariage d'une exponentielle avec une trigonométrique, ben, d'office va apparaître des sinus et cosinus, en somme. Par exemple, e de moins x sur 2 fois cos 3x ou e de x fois sinus carré x, voire e de x sinus 2x, sinus 3x, e de x fois sinus 3x, e de x fois cosinus 4x, etc. Bon, donc un canevas a été fait pour l'exponentielle de sinus ax. Alors maintenant, je vais faire un canevas pour l'exponentielle de e de sinus, e de cosinus ax. Bon. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais éliminer tout ce que je n'ai plus besoin. C'est juste pour montrer que, ici, dans cette vidéo, quand on marie de l'exponentielle avec trigonométrique, ben on a toujours de l'exponentielle avec une somme de sinus et cosinus. Voilà. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est non plus e de sinus ax, voilà, mais e de cos ax. Donc, je vais éliminer ceci. On aura toujours de a sinus 2x plus b cos 2x. On aura toujours ça. Donc là, je vais changer juste le terme cos. Alors, si j'ai du cos, ouais, il faudrait que je fasse tout. Ouais, je vais éliminer tout ce qu'il faut. Alors, l'étoile, ce que vous voyez, l'étoile, c'est du A. L'étoile, c'est du A. Donc, je vais réadapter. Je vais réadapter. Alors, là, je vais mettre un cosinus. Alors, l'étoile, le cosinus, je vais mettre un rond. Ça, c'est le cosinus. C'est le cosinus x. Voilà. Donc, là, j'aurai E' rond. Là, j'ai un cosinus. Alors, là, j'ai la dérivée de x. Je vais la dériver. Le cosinus. Et maintenant, je vais mettre une autre forme pour le sinus. Donc le sinus, c'est ceci. Je mets en losange jaune ou comme ceci, losange comme ça. Là, j'ai du sinus. Losange. C'est un sinus. Alors, si je dérive le cos, ben, j'ai du sinus. J'ai un losange. Si je dérive le cosinus, j'ai un sinus. Losange. Si je dérive le sinus, je ferai le signe après. Hein. Le signe, je vais le faire après. Le signe, je vais le faire après. Si je dérive le losange, j'ai un cercle. Ah, le losange va donner un cercle et celui-ci va donner un cercle, qui est le cosinus. Donc le losange, c'est le sinus. Ensuite, là, je vais regrouper. Bien sûr, ici, c'est un cosinus. Alors, bien sûr, le sinus il vaudra 0, le cosinus il vaudra 1. Le sinus il vaudra 0, le cosinus il vaudra 1. Parce que j'ai pas de sinus. 0, 1, 0, 1. Voilà, là on y arrive presque. Alors, donc, si je regroupais les sinus ensemble, les cosinus ensemble. Qui est sinus? Alors,
Dérivée du cosinus. De x à cosinus. Voilà. Dérivée du cosinus. C'est moins sine. Donc là, il y a un moins. Oui, attention qu'ici, j'ai dérivé l'exponentielle. J'ai radié. Là, il y a un moins. Parce que là, je dérive. Oui, attention qu'ici, j'ai pas dérivé le. J'ai dérivé que l'exponentielle. Donc, il reste un cercle. Alors, je n'ai pas dérivé ici. Ça reste un cos. Un cos reste un cos. Parce que je dérive l'exponentielle. Je ne fais que dériver l'exponentielle ici. Donc, ça reste comme ça. Ensuite, dérivée du. Là, je dérive le cos. Ça donne un sin, moins sin. Donc, il y a un moins. Voilà. Ensuite, on a. On dérive le e exponentiel de x. Ici, j'ai pas dérivé. Donc, là aussi, je me suis trompé. Parce que ça reste un losange. Parce que j'ai pas dérivé. Je dérive l'exponentiel. Je ne fais que dériver l'exponentielle. Donc, l'exponentielle, B, losange, voilà. Et puis, je dérive. Ah, le sinus, c'est un cosinus. Donc, le plus, là, on a un plus. On a un plus. Alors, maintenant. Je vais réunir les sinus et cosinus ensemble. Donc, je vais mettre les cosinus à gauche et les sinus à droite. Ou si vous voulez, ouais, enfin, bref. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, on va rassembler les sinus à gauche. Ce qui veut dire que. Je vais retirer ceci. On aura ceci. Ça, c'est les sinus. Bon, et je vais mettre exponentielle en évidence. Celui-là, il l'a fait. Ensuite, je vais aller chercher celui-ci. Bien sûr, je vais sortir l'exponentielle. L'exponentielle, je vais mettre en évidence. L'étoile c'est A. L'étoile c'est A, je l'ai dit. L'étoile c'est A. Je vais aller rechercher celui-là. Quel cosinus? Bien sûr, avec un plus. Et le dernier. Je vais chercher celui-ci. Avec toujours un plus. Alors, je vais mettre l'exponentielle en évidence. Exponentielle en évidence, voilà, comme ceci. Donc, l'exponentielle est sortie de toute la parenthèse. Là aussi, là moi j'ai mis la parenthèse. Donc, on va recopier. Là, on a tout. Hein. On a déjà tout. On a déjà tout. Donc, le restant, je peux effacer. Et je peux réécrire. Donc, ce qui veut dire qu'on a exponentielle de x. Exponentielle de x
Cos, cos. Ouais. Exponentielle de x fois b sinus a x moins a sinus a x, voilà. Plus ab cosinus a x plus a sinus a x. Voilà. Et on va identifier les sinus dans données 0. Alors, sinus de données 0, c'est-à-dire que b moins a b moins a donne 0 parce qu'il n'y a pas de sinus, et en cosinus, tout ce qui existe à cosinus, ab plus a. Égale 1. Donc, on va résoudre cette équation-là. Non, c'était pas bon. C'était bien juste, ça c'était je rassemble A et A. Alors, je vais multiplier celle-ci par A, celle-ci par 1. Donc on a B moins AA égale 0. Et A carré B plus AA égale A. Si j'additionne, on a a carré plus 1 fois b est égal à a, ce qui implique que b est égal à a sur a carré plus 1. Et si je substitue dans celui-ci a sur a carré plus 1 moins a égale 0, moins a est égal à moins a sur a carré plus 1, a vaudra 1 sur a carré plus 1. Donc ce qui veut dire que primitive de exponentielle
exponentielle de cosinus à x différentielle de x est égale à. Alors on a été chercher, c'est e de a x, c'est ceci. Alors le a, il vaut sur a carré, 1 sur a carré plus 1. Moins 1 sur a carré plus 1. Bon, on va faire ça. Alors, je prends primitive de exponentielle de x fois cos de ax. On va intégrer de r. Et oui, c'est bien ça. Donc on a 8 au carré de cos x moins, il y a un moins. Ah, il y a une petite erreur de signe. Cosinus. Non, le B vaut A sur A carré plus 1. Oui, il vaut A sur A carré plus 1, j'ai rien dit. Il n'y a pas de moins alors. Je ne vois pas pourquoi je mets un moins. C'est l'autre qui est moins. Je regarde ça tout de suite. Non, non, j'ai bien un moins sur le cosinus. Non, ça c'est pour le, c'est pour l'autre. Je m'excuse, il faut pas tout confondre aussi. Ça c'est. Ça c'est bon. Non, ça c'est pour les sinus, ça n'a rien à voir. Donc j'ai rien dit. C'est celui qui, c'est celui-ci qu'il faut prendre. L'autre c'était le sinus. Donc il est bien, le B est bien positif, A sur A carré plus 1, et l'autre, il est aussi positif, ils sont tous les deux positifs. Donc c'est 1 sur a carré plus 1. Voilà, ça c'est bon, ça. Voilà, c'est bon. Ça c'est bon. Bon, maintenant on va revoir sur GeoGebra. Donc j'ai bien 1 sur a carré plus 1 pour le cosinus, c'est bon, il est positif. Et l'autre est positif, c'est a sur a carré plus 1. C'est bon. C'est bon. Donc en d'autres termes, je peux écrire que c'est exponentielle de x. Exponentielle de x fois a sur 1 plus a carré, attention que ça c'est pour le sinus, sinus a x plus 1 sur 1 plus a carré
cosinus. Cosinus AX. Pas confondre sinus et cosinus. Hein. Voilà. Et donc si je mets 7, on va mettre 4. Je vais mettre 4 directement, je vais taper 4 directement ici parce que sinon pour le régler c'est difficile. On va taper 4. Donc là on va rechercher le primitif. Voilà, c'est bon. C'est la même chose. Simplement il met le sinus devant, j'ai mis le cos sinus d'avant et cosinus après. Et bon, lui j'apprends, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est bien ça la formule. Et donc ça a été fait en sinus et c'était fait en cosinus. Bon. La formule en sinus, elle est là. Primitif, ça va donner sin n ax sur a carré plus 1 moins a sur a carré plus 1. Voilà. Cos ax. Donc là, il faut 1 moins. Le a sur a carré plus 1, il est sur le cos 4x. Et là, le a sera carré plus 1, il est sur le sinus ax. Alors, en sinus, il y a un moins sur le cosinus x. Et en cosinus x, ils sont primitifs de cosinus ax, ben, ils sont tous les deux avec exponentielle, bien sûr. C'est tous des plus. Par contre, là, il y a un moins sur le, comment on appelle ça, sur le cosinus, quand on primitive le e de x sinus ax. Il y a un moins sur le cosinus. Et alors, bon, le sinus d'un côté. Primitive de exponentielle sinus kx différentiel de x et primitive de e de x cosinus kx différentiel de x est égal, vous aurez toujours une exponentielle devant. Alors, il y en a un, il va donner moins a sur a carré plus 1 en cos. Cos kx, sin kx, cos kx. Alors là, ils donnent tous les deux des plus. Et là, il y a un moins. Au niveau du cosinus. Et le A, que vaut le A? Le A, en sinus, il vaut A sur A carré plus 1. 1 sur A carré plus 1. Ça a été fait, hein, ça j'ai traité ça, le sinus. Hein, dans une vidéo précédente. 1 sur A carré plus 1. Par contre, le A, 1 sur A carré plus 1 en cosinus. Il est sur le sinus. Il est sur le sinus 1 sur a carré plus 1. Non, c'est a sur a carré plus 1. A sur a carré plus 1 en sinus. A sur a carré plus 1. Voilà. En cosinus, c'est
A sur A carré plus R1 pour le sinus, et 1 sur A, 1 plus A carré pour le cosinus. Voilà, par contre, si je cherche la primitive de X sinus X, c'est 1 sur A carré plus 1 moins A sur A carré plus 1. Donc c'est bon. C'est bon, c'est ça. C'est ça. Là, on a la primitive de sinus X, KX. Je vous remercie.